Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui, troisième jour, troisième produit, et pas des moindres. Oki, c'est peut-être une marque que vous ne connaissez absolument pas. C'est des petits produits, ils font des câbles USB, des accessoires smartphone, etc. Et là, je m'attarde à un accessoire plutôt coûteux concernant leur gamme. 65€, mais vous allez voir qu'il va nous sauver la vie plus d'une fois. Chargeur, panneau solaire, USB. C'est énorme. Genre, le truc, déjà, pour le mettre dans le sac, faut prévoir la taille, quoi. Mec, les panneaux solaires. On dirait ma tante. Tu sais, la dimanche au soleil. C'est énorme. Le principe, recharger son téléphone n'importe où, du moment où il y a du soleil, bien évidemment. Et même lors des temps un peu pluvieux, etc., ça résistera, puisque c'est totalement imperméable et waterproof, on peut pas le plonger dans l'eau. Mais s'il pleut, c'est fait pour résister. Contrairement à votre téléphone, renseignez-vous avant, hein, évitez de laisser votre téléphone sur le panneau solaire. On va avoir ici du coup une petite pochette avec tout ce qui va s'en suivre comme accessoire, les petits mousquetons, le petit câble micro USB pour pouvoir recharger la bestiole, et ici on a du coup deux ports directement USB d'intégrer, 5 volts de délivré par port, 2,4 ampères par port USB, ce qui nous permettra de recharger son smartphone ou sa tablette ou autre vraiment correctement, sachant qu'on est en déplacement et que c'est pas une prise secteur. C'est vraiment ça l'avantage et c'est plutôt sympa. Là, on a le modèle 28 watts. Smartphone branché, plus qu'à aller le poser au soleil quelques minutes, voir si tout fonctionne et puis on débrief. Verdict, si on n'est pas bien là. Et voilà, ça recharge. C'est génial. Venez voir ça, je mets la luminosité à bloc. Et regardez, en haut à droite, on recharge bien. On est là. Et là, il y a la petite LED juste ici qui est bien allumée pour nous montrer directement que le produit recharge. Regardez. Bah ça fonctionne nickel, plutôt encombrant, mais deux ports USB de type classique, c'est pas du 3.0, du 3.1, du speed charge ou autre, mais c'est quoi qu'il en soit du 5V, du 2,4 ampères par port USB, ce qui nous permettra, comme je l'ai répété plusieurs fois, de brancher tout ce qui est en USB, que ce soit nos GoPro, nos smartphones. Je trouve ça super intéressant, j'ai jamais pu en avoir. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vais me concentrer, et vous allez voir ça avec moi puisque je vous en parlerai, mais sur les sacs à dos qui embarquent carrément cette technologie là. Au fur et à mesure, on a des gros sacs à dos, des trucs enfin bourrins, hein, gros sportifs, mais avec des réels panneaux solaires à l'arrière, et quand tu marches en forêt, en montagne, tu peux recharger tout ce dont tu as besoin directement depuis ton sac à dos avec les petites pochettes, etc. de fourni. Donc je trouve ça super cool niveau accessoire, ou même je vous prends un exemple, tu laisses ça dans la voiture. Demain tu as plus de batterie ou peu importe, ou ce qui t'arrive, même si aujourd'hui dans les voitures tu as l'allume-cigare et autres, tu pars en pique-nique, tu as ça derrière et tu sais que tu es tranquille, que pendant que la famille est là à discuter autour d'un pique-nique qui te fait réellement chier, on va pas se mentir, tu pourras charger ton téléphone et être sur Snapchat H24 pour partager ta fabuleuse journée à tes amis. C'était tout pour ce petit produit, 65€ pour le coup, je trouve que ça vaut le coup, voilà, ça rime, c'est un petit coup à la base, c'est 70€, hein, faut pas se mentir, mais ça peut servir à tout le monde. On a deux ports USB, donc de toute façon on pourra charger plus d'un téléphone à la fois, et le fait est que tu peux partager ça avec qui tu veux, ta famille, ta soeur, ta cousine, ton chien, qui tu veux, ça m'est égal, mais voilà, c'est pas un produit personnel, c'est un produit que tu pourras prêter à droite à gauche, et qui te servira surtout longtemps, puisque j'ai pu regarder sur le site, et il y a quand même 24 mois de garantie, donc il vous promet, le constructeur, que si vous l'utilisez normalement, il dure minimum 24 mois, ce qui est plutôt rassurant. J'espère que ce petit produit vous aura plu. On se retrouve dès demain dans la prochaine vidéo à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous cette fois-ci sur Snapchat, où je vous ai déjà teasé, vous allez voir ça, la vidéo est en ligne, mais je vous ai déjà teasé ce qu'on va pouvoir découvrir demain soir dès 17h. Et puis vous abonner à la chaîne, puisque jusqu'au 24 décembre au soir, avec le concours que j'organise et qui est également dans la description, je vous invite à vous abonner, puisqu'on se retrouve tous les jours à 17h. Prenez soin de vous d'ici là, et à demain. Ciao tout le monde. Jacques Caron.